L'invité ce matin, Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du PCF. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Patrick Roger, ça bon, va Oui, ça va et vous, vous êtes en forme parce que vous avez peu dormi. Hein. J'ai dormi 4 heures, effectivement. Oui, 4 heures. Parce On que est... jusqu'à 2h30 du matin, vous étiez à l'Assemblée, c'est ça Pour faire front face euh, au gouvernement Oui. En tout cas, c'est votre position. Oui, le gouvernement a été mis en minorité euh, cette nuit euh, avec son texte de loi qui prévoit une trajectoire des finances publiques qui, en gros, diminue diminue les budgets des communes, de nos hôpitaux et euh, du budget de l'État, et donc bon. une trajectoire on... budgétaire d'austérité. – Oui, on va revoir ça en détail avec vous, parce qu'en même temps, il y a quand même euh, des tensions hein, à l'Assemblée nationale, des avec les hein. Bon, on va voir aussi la galère avec la pénurie d'essence, comment éviter la paralysie, jusqu'où va le droit de grève, toutes ces questions qu'on va aborder, la réforme de l'assurance chômage, les retraites, l'appel à la marche contre la vie chère notamment, et ces, et ces escarmouches à l'Assemblée. Commençons donc par la situation, hein. beaucoup de stations à sec, des personnes qui ne peuvent plus aller travailler qui ne pourront plus, euh, faute d'essence, dans leur voiture. La grève a été reconduite, alors qu'hier, il y avait eu un appel à la réquisition lancée euh, par la Première ministre, en tout cas pour euh, ESSO et ExxonMobil. Quelle est votre position, euh, vous Est-ce que vous soutenez les salariés grévistes, Fabien Roussel ouais, Je soutiens tous ces salariés qui, aujourd'hui. Euh considèrent que leurs salaires ne leur permettent pas de vivre, de payer leurs factures alors qu'ils travaillent. Mmh. La France est un pays riche et pourtant beaucoup de travailleurs sont pauvres tombent dans la pauvreté. Ça vaut autant pour les classes moyennes mmh, mmh. qui ont des salaires au-dessus du SMIC, autour de 2000 euros, euh, avec des couples, un couple qui mmh. chacun va gagner entre 1500 et 2000, que je rencontre, ouais. et qui me disent qu'ils sont dans de grandes difficultés, ils n'ont le droit à aucune aide, jusqu'à ceux qui sont euh, au SMIC, euh, qui vont devoir faire appel euh, mmh. au chèque énergie, qui ont le droit à la prime d'activité, et, euh, et qui considèrent que c'est pas digne de devoir mais... aller chercher des primes à la CAF ouais. alors, que, alors que leurs patrons les, ont, ont les moyens de payer leur oui, leurs oui Vous êtes pour ce la valeur est, travail, quoi, bien ce sûr. Qui et, est, ce qui et... est valable pour les salariés de Total et d'Esso, parce que une part de ces salariés, les ouais. ouvriers notamment, ouais. Ouais. Euh, ont des salaires qui sont autour du SMIC. Ah ben bah ils sont un petit peu plus, dans euh, les opérateurs. Non, bah non, attendez non. les opérateurs. Bon alors il y a eu ce chiffre qui a circulé de 5 000 euros. Une hein, honte. En moyenne, une euh, honte. De, euh, de, vraiment de la, de la, la part de, de Total. De la part de Patrick Pouyanné. Ouais. Oser dire euh, que les salariés gagnent 5 000 euros. Quand un opérateur de Total euh, est euh, quelqu'un qui euh, commence au SMIC, oui. certains sont même en dessous du SMIC. Moi, j'ai des fiches de paie ah bon ici. Elles sont là. Elles sont là Pourquoi ils sont en dessous du SMIC Mais Elles parce, sont que la temps grille, parce que la grille oui. de la Fédération de la Chimie, oui. elle est accessible partout, oui. la grille, oui. et bien, euh, commence à un indice oui. où les salariés commencent oui. en dessous du SMIC. Comme beaucoup de branches professionnelles dans notre pays. Oui. Et donc, quand on gagne un salaire en dessous du SMIC, ouais. Ouais. Eh ben on va aller chercher une prime d'activité ouais. à la CAF pour avoir le complément de salaire. Alors que dans le même temps, mmh. dans le même temps Total a distribué mmh. 2,5 milliards d'euros de dividendes exceptionnels. Vous savez à quoi ça correspond 2,5 milliards d'euros. Ça correspond à 300 euros d'augmentation ouais. par mois. Pendant 12 mois, pour 35 000 salariés de total, pendant bon. 12 ans. Non, mais, Fabien ouais, mais Roussel, on... il y en a peut-être, en fait, qui sont au SMIC ou en dessous, comme vous le dites, mais il y en a qui sont bien au-dessus, hein, entre 3600 et 5 000, quand même. Avec, euh, avec les, non, mais attendez, avec les primes d'intéressement, avec les primes de nuit qui sont certes pas, consi pas dans le, le salaire directement, mais ça existe. Et, et les primes d'intéressement vont de 7 500 à 9 000 euros en moyenne sur l'année. Ça, ça existe. Et donc, les opérateurs, d'ailleurs, euh, de la CGT le reconnaissent. Il y a des 3500, 3600 euros bruts. Bon, c'est peut-être pas la question. La question, c'est qu'ils veulent un partage des de, de, de fruits en fait, du travail de, de total. C'est ça, en fait. La question, question. c'est le partage des richesses. Ouais. Parce que, d'abord, dans la chimie et euh, dans le raffinage, ouais. dans ces raffineries, il n'y a que 10% d'ouvriers. Ouais. Il y a donc euh, des salariés mmh. aux compétences plus mmh. élevées il y a beaucoup de cadres, d'ingénieurs. Et c'est pour ça que la moyenne des salaires est élevée. Mmh. Mais il y a 10% d'ouvriers et mmh. ce sont majoritairement ceux qui font grève aujourd'hui. Mmh. Et les salaires sont bas. Ils oui. sont là. Je les ai, les fiches de paille. Oui, oui non, mais vous les montrez. Ils oui, sont oui. là. Oui, oui, D'accord, oui. bon. 1839, euh, ici 2200 avec 6 ans d'ancienneté et ce sont des salariés qui travaillent postés. Hein. Mmh. Ils oui. travaillent nuit, jour, euh, week-end, jour férié, Noël, explique... etc. Alors, ce qui bon. explique que finalement, c'est une poignée mais... de, de salariés, en fait, grévistes qui bloquent aussi mmh. euh, la situation, quoi. Et... Et Fabien Roussel, il, ça vous le reconnaissez. Ils bloquent pas, ils sont en grève. Bon, ils ils ne bloquent, ouais. bloquent pas. Mais ils ne voilà. font ouais. pas tourner l'outil de production. Ouais. Mais ils ont en face d'eux ouais. un groupe mmh. qui fait des bénéfices records. On ne parle pas en millions d'euros. Mmh. On parle en milliards d'euros. Mmh. Mmh. 2,5 milliards d'euros. C'est 12 ans d'augmentation de salaire pour 35 000 salariés. 300 euros par mois de plus. C'est 2,5 milliards. Vous ouais. vous rendez compte ouais. enfin, Ce sont des sommes énormes. Bon. Mais, euh, Là, on parle de ouais. dividendes exceptionnels pour le ouais. premier trimestre. Le groupe total, sur le premier semestre 2022, fait 18 milliards de bénéfices. Ouais. Mais ils n'ont jamais gagné autant d'argent sur le dos. Sur le dos là de, de, de la crise pétrolière, ouais. jamais ils ont gagné autant bon, d'argent. Est-ce que c'est quand et même raisonnable côté... Est-ce que c'est quand même raisonnable de bloquer le pays Là, j'avais euh, tout à l'heure des gens au téléphone qui disaient moi, je ne peux plus aller en fait travailler et je ne serai pas payé mais, à cause mais, de ça. Et ben moi, bah, qu'est-ce que vous leur répondez ben Moi, hein. je vais euh, vous parler de tous ces salariés qui ne sont pas. Vous euh, les connaissez qui ne sont Vous pas, les connaissez, pas, Fabien Roussel sont Ce sont en, vos électeurs, mais, pour mais qui ne sont pas en grève. Ouais. Je vous parle de ces salariés qui sont qui travaillent dans le bâtiment à 1400, 1500 euros qui sont cassés par le boulot. Je peux vous parler de cette famille. J'ai parlé hier à l'Assemblée nationale, un couple qui gagne à eux deux 3200 euros oui. net par mois oui. et qui ne s'en sort pas, qui sont en déficit. Et donc, ce que je dis, c'est que tous les salariés aujourd'hui, oui. tous les salariés devraient se mobiliser de manière solidaire pour obtenir, pour obtenir une augmentation générale des salaires. Oui. C'est la demande que j'ai faite à la Première ministre hier, de convoquer oui. une conférence salariale, une conférence Alors oui, générale vous voulez. Vous voulez des salaires. Ouais. C'est à l'initiative du gouvernement, c'est de la responsabilité du gouvernement d'inviter toutes les branches professionnelles ouais. à venir à Matignon ouais. et de dire maintenant, mesdames et messieurs les patrons, ouais. il faut une augmentation générale des salaires. Le SMIC a augmenté, ouais. pas assez à notre goût, mais il a augmenté. Ouais. Nous vous demandons ouais. que tous les salaires au-dessus du SMIC augmente en fonction de l'inflation. Les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation, mmh. ouais. Patrick Roger. Bon, les salaires donc... ne sont pas indexés sur l'inflation. Ce qui fait que quand votre facture d'électricité, mmh. elle prend 10-20%, quand les produits alimentaires que vous achetez au supermarché augmentent, mmh. quand le prix de l'essence... Est à 2,30 euros, 2,40 euros. Ce pas de la faute de la CGT. Et puis quand il redescend, mais, mais redescend 1,50 on va là, pas il... rebaisser les salaires. Non, hein. mais il redescend pas, là. Ouais, bah il là, il est à de... 2,30 C'est à, à cause de qui ah, qu oui, a... non, mais, non, il mais, il il mais là un blocage. Mais, mais c'est à cause expliqué. de qui oui. C'est à cause de qui que l'essence ouais. est à 2,30 C'est de la faute de la CGT ou c'est de la faute des compagnies qui en profitent Les deux, probablement. Non, mais vous rigolez, pas de la faute des pays de l'OPEP non plus, l'Arabie Saoudite, de la Russie, qui ont décidé de diminuer de 2 millions d'euros de barils par jour pour mettre la pression. Sur, sur les états unis Non, non et mais il faute probablement On devrait tous être solidaires. Oui. On devrait tous être solidaires. Oui. Je vais vous dis bah, si que y ceux y avait... qui vous écoutent et qui sont bloqués qui ne peuvent pas ah, aller au bah, travail, là, ils ne sont pas solidaires. Eh ben, hein. Je pense que les, les TPE qui vont peut-être mettre la clé oui. sous la porte, euh, ils sont... Eh ben, pas... Les TPE, elles sont étranglées de la même manière bah, oui. par la hausse des prix des matières premières, oui. par la hausse du prix de l'essence. On devrait tous être solidaires pour que ce gouvernement, que ce gouvernement enfin prenne ses responsabilités au lieu de réquisitionner les... Au lieu, au lieu de réquisitionner les, ouais. les, les raffineries là ouais. il ferait mieux de réquisitionner Patrick Pouyanné et ouais. l'ensemble euh, des patrons du CAC 40 ces grandes entreprises ces grandes multinationales qui distribuent des ouais. dividendes pour leur dire maintenant ça suffit alors ce, sur les réquisitions quelle est votre euh, votre position ah bah, c'est simple simplement que la, la, la première ministre et le gouvernement en faisant ce choix là ouais. ne font rien d'autre que d'ajouter de l'huile sur le feu euh, parce que euh, ça va mettre les salariés en rage mmh. euh, la réponse aujourd'hui c'est pas de réquisitionner ouais. la la réponse, c'est de forcer euh, ces grands groupes qui distribuent autant de milliards d'euros de dividendes eh bien de verser des salaires plutôt que de continuer d'enrichir les plus riches de notre pays. Oui. Et donc, c'est une très mauvaise réponse qui risque, qui risque de faire en sorte que ça s'embrase, que d'autres euh, branches professionnelles mmh. décident de dire mais on se met en grève bon, aussi. Donc, par favoriser, solidarité. favoriser à tout prix la négociation alors. Mais favoriser quoi. une négociation qui aille dans le sens d'augmenter les salaires. Mmh. Enfin, je vous parle moi mmh. de salariés. Ouais qui ont des salaires tellement bas qu'ils sont obligés d'aller chercher une prime à la CAF, la prime d'activité. – Oui, mais vous pas savez... tous quand même. – Non tous. mais ceux ouais, qui sont sûr. en dessous de 2500 mon... de ouais. euros, ouais, ouais. vous savez ce que c'est de vivre en dessous, non, avec non, un bah, salaire de sûr. moins de 1500, bien et bien vous sûr. savez ce que c'est que de travailler dur, ouais. et d'être en plus ouais. obligé de demander à la CAF ouais. une allocation de salaire, parce que le patron il ne paye pas, ouais, ouais. vous savez ce que c'est en termes de dignité, Est ce que ça veut dire ça ouais. ?– bah, Bien sûr, et ben, bien sûr. – Eh les gars ils n'en veulent plus, et moi je les rencontre, et ils me disent c'est insupportable, ils peuvent travailler chez Total, mais ils peuvent… Travailler dans n'importe quel secteur du privé. Et c'est pour cela que je dis qu'on a besoin d'une solidarité de l'ensemble des salariés. Pour dire stop basta, on veut vivre dignement et vivre de notre travail. Bon Fabien Roussel, euh, on voit que on ne voit pas que vous avez dormi que 4 heures hein, puisque vous étiez non, vous à l'Assemblée nationale, que cette vous êtes en pleine forme. Alors fondément, oui. alors, vous étiez évidemment sur euh, les discussions à l'Assemblée. Alors il y a la réforme indemnisation, il y a le budget, il y aura les retraites aussi euh, bientôt. Euh, avant de parler en fait du fond euh, sur la forme, il y a eu beaucoup d'invectives. Encore euh, cette nuit, vous étiez derrière André euh, Chassaigne et il y a eu ces échanges hier avec Bruno Le Maire, l'autre jour c'était avec la Première ministre. Euh, quel est votre, votre sentiment justement par rapport à ça Pourquoi perd-on ses nerfs Bon d'abord, euh, c'est pas bien de perdre ses nerfs, que ah oui. ce soit ce député d'extrême droite qui traite le ministre euh, de traître et de, de lâche. lâche. Mmh. Ça ne se fait pas, mais de la même manière, ça ne se fait pas qu'un ministre à 2h30 du matin, parce qu'il vient d'être battu euh, par euh, euh, l'Assemblée nationale, et, euh, parce que nous avons refusé... Tous, euh, toutes les oppositions nous avons refusé ce, 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 ce budget d'austérité euh, et ce ministre s'est permis de traiter les députés d'irresponsables. Eh bien non, c'est pas euh, de l'irresponsabilité de la part des députés, c'est la démocratie tout simplement. Et oui, il y a eu des députés et de gauche et de droite qui ont dit « on ne s'attaque pas à nos communes, on ne s'attaque pas au budget de nos communes ». Vous savez que dans ce, ce, ce budget qu'on a discuté cette nuit, cette trajectoire des finances publiques, oui. ils ont prévu un article où, on pouvait, où le gouvernement pouvait mettre des amendes aux communes qui ne respectaient pas une trajectoire de dépenses, mais enfin, c'est un truc de dingue. C'est un premier revers pour le gouvernement parce que euh, ce qu'a dit euh, hier soir Gabriel Attal justement, ce qui se passe est grave ce, ce, ce soir, alors que l'opposition a rejeté plusieurs articles hein, sur ce budget. C'est un revers dont il devrait prendre conscience que euh, s'il continue à ne pas écouter ce que nous disons, oui. eh bien ils vont avoir encore euh, d'autres euh, d'autres textes qui risque d'être rejeté. Moi, je ne souhaite pas que le pays soit paralysé. Moi, je ouais. souhaite qu'on trouve des réponses. Et ouais. les réponses, c'est pas de serrer le kiki euh, mmh. du budget des, des communes. C'est pas de dire euh, il faut réduire les dépenses des collectivités, il faut réduire les dépenses de l'État. Au contraire ouais. Enfin, aujourd'hui, on est dans une crise euh, énergétique importante, une crise sociale grave. On a besoin, au contraire, que nos communes mmh. maintiennent leur budget et ouais. leurs dépenses, leurs projets d'investissement. Ouais. Or, elles voient leurs factures d'électricité et de gaz s'envoler, et le gouvernement les salaires des fonctionnaires augmentent de 3,5%. C'est une bonne chose, mmh. même si c'est pas assez. Et le gouvernement ne compense pas oui. ne le... compense pas dans les budgets des communes. Et oui. donc, demain, mmh. demain déjà aujourd'hui, on enregistre beaucoup moins de permis de construire. On a des communes qui disent pour l'année prochaine, on va remettre nos, nos, nos investissements et nos projets. Mais le bâtiment va, va, va aller droit dans le mur. Oui. Si oui. bâtiment... C'est ce que disent beaucoup de maires. Et oui. si le bâtiment ne va pas, il bah, n'y a oui. plus rien qui va. Oui. Bon, euh, vous, vous pensez que le gouvernement, du coup, va utiliser l'arme du 49-3 je le crains. Ce qui serait vraiment euh, un très mauvais signe démocratique. D'ailleurs, nous, nous demandons euh, à, à ce que le 49-3 ne soit jamais utilisé. Nous, nous voulons le retirer de la Constitution. Constitution. Ah bon. Oui, mais il faut le retirer de la Constitution. C'est anti-démocratique, ah bon anti le oui. 49-3. Oui. Le 49-3, c'est euh, l'arme de dissuasion euh, démocratique, nucléaire, ah oui. qui empêche tout débat oui. et qui, brutalement, impose un texte de loi sans aucun débat. Oui. C'est injuste unique et euh, il nous faut avoir ce débat, et, et, et les Français ont choisi une majorité, ont choisi une assemblée qui correspond à leurs idées, avec... Euh, — ah Oui, bah mais voilà, on ne peut y a pas, pas voter majorité, des textes. on, y a sera, pas de majorité on sera dans une situation personne. de blocage, peut-être, alors, non ben, pour sortir du blocage, on discute. Hein. Oui, on, euh, ben, bah, ouais, ben, on discute. Ça, ça a l'air d'être un peu et compliqué. Bon, Dites-moi puisque vous êtes engagé contre la vie chère aussi pour une augmentation des salaires, pourquoi vous ne participez pas euh, dimanche prochain à la marche de Jean-Luc Mélenchon et de ah, C une partie le, de la gauche. Le Parti communiste français participe pleinement ouais. à à, ces, euh, à toutes les mobilisations. Celles de ce week-end. D'ailleurs, il y aura des mobilisations aussi euh, dans les régions organisées à l'initiative du Parti communiste français avec des organisations mais pas syndicales. Vous si. Mais Non, parce que moi personnellement. M'excusez, mais je suis ouais. aussi un député de terrain. Ouais. Euh, J'ai des comptes à rendre à ma circonscription. Et ce dimanche, je suis dans les banquets des seniors, des anciens, organisés par des maires de villages de ma commune où je me suis engagé à ah. aller. Et donc, je vais à leur écoute. C'est un bon mot d'excuse, ça, non Franz... euh, Fabien ah ben, Roussel. Moi, hein je suis, euh, je, comme je vous le dis, je suis attaché à aussi écouter les gens de chez moi. Je vais ouais. rencontrer à peu près 1200 personnes euh, en un dimanche. Ouais. C'est tout aussi important d'être à leur écoute, de répondre à leurs sollicitations et, euh, et, et de jouer pleinement mon rôle d'élu de terrain. Ouais, bon. Mais euh... c'est aussi comme ça ouais, ouais. que je suis ce que je suis. Hein. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais, ouais. que moi, et puis vous êtes on à peut... part de la NUPS. Ouais. Non, mais on, on le voit bien depuis ouais. depuis mais un depuis un bout de temps, depuis je des je semaines. Suis, mais je suis pas à part. Moi, moi, bah si. moi, moi, ce que je veux, c'est que on avance ensemble et qu'on soit plus fort et qu'on soit meilleur et qu'on arrive à devenir majoritaire. Mm. Il faut que, il mm. faut qu'on on arrive à parler à tous ces Français à qui on n'a pas parlé pendant les élections. Ouais. Excuse-moi, mais oui. Le, 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 le résultat que l'on a eu aux élections législatives, qui nous a permis de gagner des députés, il nous a pas permis euh, d'avoir. Bon, une mais majorité. vous ne vous affichez quand même, pas eu, quand même avec Jean-Luc Mélenchon. Il y, y a eu quand donc même. Vous n'êtes pas ensemble. Il y a eu 26 millions d'abstentionnistes aux ouais. élections législatives. Ouais. Donc euh, moi, je vais pas euh, crier euh, victoire. Un peu d'humilité. Bon, Et mais donc, vous avez du mal à vous afficher avec Jean-Luc Mélenchon quand même, non Ouais, ou c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse, oui. Ouais, Peut-être. Ah bon, d'accord. Euh, juste, tiens, une question, Joker. Euh, vous aimez le football ou pas, Fabien Roussel euh, je trouve que euh, Kylian les, Mbappé les, semble les, avoir les, le blues en les, ce moment-là. Qu Qu'est-ce ouais, qu bah, que ça vous inspire ça Il pourrait euh, partir. Ouais, Moi, je, 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 je suis pas un spécialiste. Je crois qu'il gagne plus que Patrick Pouyanné, lui. Oui. C'est pareil. Ils ont des gros salaires pour pousser le ballon quand même. Oui. Trop. Donc. Euh, un peu. Il y a un peu d'indécence aussi dans les salaires des grands joueurs de foot. Je me préoccupe peu de leur carrière. Merci Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du PCF qui était l'invité de Sud Radio. Il est 8h32.